Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Pixel Barbecue TV. Alors ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo face cam pour la simple et bonne raison que entre le vol d'un PC et le plantage total de l'autre, il m'a fallu un petit peu de temps pour me rééquiper. C'est maintenant chose faite, hein, donc entre temps je vous avais quand même publié beaucoup de vidéos pardon, sur la chaîne de présentation de jeu sans commentaires, etc., etc. pour que vous, quand même vous montrez du jeu sur la chaîne et que vous puissiez vous faire votre avis hein, sur du pur gameplay. Voilà. Ici on va reprendre tout doucement les vidéos un peu plus commentées, hein, suivant ce qu'on trouve comme jeu, suivant ce qu'on nous propose aussi, et suivant ce qu'on découvre tout seul. Alors ici ça fait un petit moment que j'avais envie de jouer à The Last Case of Benedict Fox, étant donné que c'est un jeu Lovecraftien, et vous savez que j'aime ça, alors je n'en sais pas plus, il m'a juste fallu ça, et une sortie sur le Game Pass, donc voilà, et je crois qu'il est sorti fin avril sur le Game Pass. Maintenant que j'ai un PC qui tient la route, je peux enfin pouvoir faire quelques vidéos et vous en montrer un petit peu plus de gameplay. Alors je sais, la lumière est un peu dégueu et on va améliorer tout ça au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai rebranché tout comme j'ai pu assez rapidement. Et on va donc lancer une nouvelle partie de Benedict Fox. Difficulté de jeu. On va regarder ce qu'on nous propose. Détendu, ouais c'est bien ça. Détendu. Bien, voilà. Marque normaux sur la carte, ouais, on va faire ça. Ok. voilà, on va mettre option résoudre sur la difficulté de jeu. Alors je sais que ça paraît un peu comme ça, mais l'idée c'est quand même de vous montrer. Pas dit que je vais utiliser ces options de facilité, mais voilà. On va laisser aller ça. Oh. Parle souvent de folie, on verra bien. Donc c'est un jeu Steam et Xbox uniquement. After the end of the Great War, it came to light that atrocities were being committed, not only on the battlefields, but also beyond them, in secret workrooms of the First Circle. To try and stop the vile endeavor, Ordo Iredei came to being. Its purpose was to restrict unauthorized research, experimentation, and exploration of the void. Not all, however, are willing to be controlled. Déjà, ça a quand même de la gueule, hein. Bien, c'est beau, franchement. Je m'excuse, alors comment ça marche? Ok. Ok. Ça a de la gueule. Ok. Ok, ok. Oups. C'est beau, hein, franchement.
Excusez-moi, hein, j'ai une toux aussi persistante depuis plusieurs semaines. Et c'est super beau. Ambiance noire comme ça. J'espère que les réglages audio sont corrects. Hein. J'en sens encore rien, on verra bien. Je vais me servir de ça aussi pour peaufiner un peu par la suite. Si ma voix est trop courte, doit être trop forte ou pas. You're saying there's no one here? Huh? Il faut connaître des fréquences que je ne connais pas encore. These runes look like the ancient writing of the old ones. This could be a fragment of what I'm seeking, the forgotten ritual. We're close. Don't let your fright hold you back now. Since I found the first piece, there must be more. Locked. Bah, X. On va fouiller un peu d'abord. Mais j'ai vu un disque. This must be the woman my father loves. The embers of love are buried beneath the ash. Drôle de mot. Descendu à la cave. D'abord que terminer le rez-de-chaussée, on verra après. Décidément. Bon, bah on va à la cave alors. Je peux aller à l'étage après, je pense. On va vérifier. I got a bad feeling about this. I'm supposed to be the one with bad feelings. Pull yourself together, Benedict. J'adore l'ambiance. Oh. So, I lost my father before I had a chance to know him. I can sense your despair, Benedict. The cadaver you call your father, his sorrow and dread have not yet dwindled. The shade is so madness so fierce that I can barely hold on. No sign of a struggle anywhere around him. And yet, he defended himself desperately. But from whom? The trail of blood leads to this lock. Not all is lost yet. I can guide you through his memories, Benedict. Oh,
C'est très bizarre. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, à part le trailer que j'avais vu. Ça a la gueule. Pour l'instant, j'ai vu un côté énigme principalement, mais il y a peut-être un côté combat. Oula, on est où là? C'est ce qui bus en fait. Hop, 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 hop. On me lâche. Les tentacules sont jolis, mais quand même. Hop. A vile, sickly mass of concentrated ink formed into a human-like abomination, like a phlegm in the lung. It sticks to the mind. Mm-hmm. C'est un Metroidvania, donc... Bon, ça meurt vite, c'est déjà ça. C'est super beau. Ça rappelle un peu le jeu Dark aussi, un petit peu dans le côté graphique. It's all dust. Crâne miniature. Comment je fais pour remonter? Les sauts, c'est un peu chaud quand même. The amplificator. What is the device that amplifies our connection doing in my father's memories? No less in the hand of the organization's rat, Benedict. Mm-hmm. Rien d'autre à faire. Rien apparemment. Bon. Ah, on peut monter. The turnkeys must perish for you to find your way home, Benedict. Je continue un peu ici parce que c'est très beau. This foul ink seems to adhere to everything. Your father's ego has suffered more than we anticipated. It's afflicted, devoured by infection, riddled with gangrene. Bon. On va laisser tranquille pour l'instant. C'est quoi ça? Oh, ça fait mal en tout cas. An embarrassing memory.
painful, itching, uncomfortable, even for me. Mais, crétin. Imbécile. Ah ben ça va, je remonte ici avec mes points de vie. Et j'ai ouvert le passage en haut. Du coup, je vais peut-être quand même remonter parce que je suis assez bas dans... On va quand même revenir dans la maison. Je sais pas, je vais faire une demi-heure, allez. Ça, on voit un petit peu tout à quoi ça ressemble. C'est très beau. Bon, clairement, c'est un Metroidvania. Avec des énigmes. Oh, c'est beau. Wow. Ça, j'ai horreur des énigmes musicales parce que je ne connais rien à la musique, en fait. Ce que je vais faire, c'est résoudre. Ah, plus d'objets, donc je peux pas la résoudre tout de suite. Faut quand même que je trouve. Je peux résoudre une énigme, mais je dois quand même tout trouver. Très bien. That's strange. There was no mention of a child in their files. Do I have a sibling? Is this? You should be here soon, but I can't wait. On va essayer de redescendre alors. Désolé. Je peux rien résoudre du tout en fait. Donc je peux... Ouais, je peux encore aller par là, on dirait. Alors c'est un Metroidvania un peu spécial parce que les décors, faut s'y retrouver quand même. Hein. Évidemment. Je suis nul, hein, très nul. I can't make this jump now, not while the amplificator is damaged. Yes, without it you won't be able to use my abilities fully. I can barely be of help. Toujours pas, donc en fait il n'y a quand même qu'un seul chemin au départ. Hein. On est d'accord. Mais je vais essayer de passer à droite pour voir. Necker, Culis,
ressemble beaucoup. Pas très méchant, mais nombreux. Ah, c'est tout. Ok, bon. Je peux pas sauter aussi haut encore. There was a time when the house was filled with joy. On va donc continuer. Donc j'ai fait toute cette partie là, mais il y a encore toute cette partie ici qui m'est inaccessible. Porte, porte, ok, tous des passages qui sont pas encore accessibles. On va passer complètement à gauche alors. Ouh, ça lui renvoie, j'avais pas trop fait gaffe. Ça lui renvoie si je suis si j'ai un bon timing. Attends, je vais où là? Est-ce que je peux me téléporter directement là? Non. Je vais remonter quand même. Tout seul. Ok, ensuite pour remonter, je remonte par où? Par là en fait, probablement. On dirait qu'il y a un passage derrière le... Ici, il y a un passage. Ah oui, il y a un passage près du miroir, c'est vrai. C'est pas clair, hein. Visuellement c'est pas clair. Alors à partir de là, je vais tout à fait à gauche puis je vais essayer de monter. On va faire ça. Et comme un con, je me suis remis dedans. Déposer l'ancre, recharger les objets et on continue. Quelqu'un dans le miroir. Je peux pas y aller encore. Ah zut, je peux pas monter aussi haut. Par contre, je peux aller là. Enfin, peut-être. Si à moins que ce soit une porte. Cette porte, je peux pas y aller, d'accord. Peut-être aller complètement à droite. Il y a plein de trucs qui sont... Je me suis téléporté comme un con. Tu
Bon, ici j'ai façon pas trop le choix. Là, ça frappe, c'est pas la peine d'y aller. Je peux essayer d'aller à droite pour voir. Non, trop loin. Je vais essayer de monter par ici. C'est très beau, franchement. Chapeau à ceux qui ont fait ce jeu. Je suis mort ici tout à l'heure, donc je peux pas y aller, ok. Alors je peux repartir par là, effectivement je peux aller là. Peut-être que je peux monter encore, on va voir. Ah. C'est quoi ce bruit ? Ah, ça, c'est fermé ici aussi. Tout est fermé en fait, c'est un peu chiant. On va continuer par là alors, hein. Peut-être que je peux monter ici. Voilà, c'est net. Donc c'est par là. Ah voilà, donc là j'ai ouvert un passage. Ok, un raccourci. On progresse. Qu'est-ce que c'est ? Resembles one of the symbols on the keys, but more complicated. Still no clue what to do with them. Et pour l'instant, très bien, le jeu me dit clairement, trouve des infos. Wow, c'est quoi ça? Il y a une statue là. Des tentacules. J'ai un ancien avec moi, tout va bien. Pourquoi c'est grand d'un coup? Il y a un boss? Oh putain! On n'attendait pas à ça. Taper ça. Ok. Attendez pas à avoir tombé Dagon comme ça. Ok, donc on est passé ce truc là. Je vais quand même revenir. On va continuer quand même. Alors, il y a ce passage là, mais il y a aussi un autre passage à droite. Donc, on se rappelle que je joue en facile quand même. Hein, donc, voilà. On se détend niveau difficulté. Ah, je peux pas. Ok. Le jeu est sûrement plus dur que ça. Pour les combats. Ah, c'est bien.
On peut pas trop se perdre non plus en fait. Attends, je suis où? Je suis au-dessus du coup. D'accord, bon. Des secrets? Un souvenir, ok. What are we looking at? The earth still quakes from the emotional intensity. Answer the question for yourself, Benedict. Bon, bouger ne sert pas à grand chose. Une dispute, a priori. Oh. Look, the combination. Ok, crâne, 8 et clé, on va dire. Crâne, 8, clé. What are they arguing about? The ritual. The memory fades here. Perhaps more transpired elsewhere. Chose à voir ici. Je voulais voir la radio potentiellement. On dirait qu'il n'y a rien. On va quitter alors. Life made an appearance in the house. Let's examine it, Benedict. On va voir alors. Quelqu'un est arrivé dans la maison apparemment. On va monter dans la maison alors. J'ai une combinaison donc je vais pouvoir ouvrir une porte. Long time no see. It is good to see you, you old devil. In trouble again, I presume? I feel Harry knows you better than you do yourself, Benedict. You got that thing I asked you about? I got you, kid. Got it right here. Ah, ça me permettra de faire des bombes plus haut, j'imagine. Thanks. And by the way, I have some amber for you. Sorry, but these are completely worthless to me. No one knows what to do with it. But if, along the way, you've dug up any bits and pieces of memories, feel free to browse my wares. Ok, on va faire ça. Ça, j'ai deux potions en fait. I've got what I needed. Till next time. Be careful. The organization and the order. Don't mess around. You don't have much time before they get here. C'est pas ça. Donc c'est le, voilà, c'est ça ici.
Bon, je pense que j'ai fait résoudre automatiquement. J'ai une clé qu'un symbole. Non, ah. On va remonter. Je crois que la clé elle ouvre la porte à droite. Maintenant que normalement j'ai une capacité de plus pour. On va voir si on sait encore se téléporter. Je dois descendre à la cave du coup. J'ai l'impression. C'est très beau en tout cas, vraiment chapeau. Hein. L'ambiance, tout ça, tout y est. Bon, je vais essayer de voir si je peux re-rentrer dans le. Là, hop. Ok, déjà donc j'ai deux sauts, c'est cool. Describing the keys. It looks like the last one can be imbued with any number I want. I just have to find it. A visage of his mother. My grandmother? Resentment. Survived her abuse, wears it like a badge of honor. There is true strength in that. Cleansed by suffering. Voilà. Sale bête. Normalement, je pourrais monter ici. Bon, y a rien. Comment ça, y a rien. Ah ben non, y a rien. Bon, j'ai dit que j'arrêterais ici, plus ou moins, mais j'ai envie de continuer un peu. Encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Attends, je vais pouvoir visiter un peu plus de zones quand même. Oh, j'aime bien le son qui. Oh, sérieux? De là, normalement je peux aller tout droit. C'est quoi ça par terre? Ah, mince. Pourquoi je peux pas interagir avec? Ah, peine décoratif, voilà. Hesitation.
Ok, je serais de remonter par là alors. Oh, on peut faire maintenant ça. Alors, ok, on tombe ici. D'endroit. Je suis où là? Ok. Tam tam tam. Peut-être que je vais pouvoir passer ici maintenant. Ouvrir une porte peut-être. Hop 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 hop. So many forms to fill out. The order really doesn't want First Circle members to have children. Gifted children, they don't care about the rest. Oh. Mais quel imbécile. Mais quel imbécile. Je sais pas où je vais là. Nouvel endroit sûrement. J'ai fait une belle zone, hein, mine de rien. Bon, je termine jusqu'au prochain checkpoint et j'arrête. J'avais dit une demi-heure. Ah, ok. Et donc, je peux aller où? Ici, peut-être? Sont pas durs, mais je préfère qu'ils sont un petit peu casse-couilles à la fin. C'est qui ça? Je pense qu'on peut pas encore résoudre ça maintenant. C'est bien qu'ils obligent le fait d'avoir de trouver tout avant de pouvoir résoudre, même si t'es en mode résolution automatique. Fasse un peu gaffe quand même moi. Ouais, je suis là, très bien. Je vais pouvoir ouvrir la porte ici, super. Voilà. On va pouvoir remonter par là. Maintenant, je vais essayer d'aller par ici. Si j'y arrive. Ou à droite là, si c'est possible, mais je pense pas. Bon, peut-être pouvoir remonter par là. Quoique. Non. Ouais, je peux pas ouvrir encore maintenant. Donc je vais essayer de sauter par là. Sans mourir. Quoi ici? Là, ah bah là, peut-être qu'il y a un boss. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Je vais pas tout flinguer non plus. Voilà. Forward, reflection. As much as a mirror feeds on the image, the demons feed off of people's emotions.
As do I. Yes. Some species of demons that we've never encountered. Better take some notes. Ouais, je m'arrêtais là, donc comme j'avais dit. Ah bah c'est bien. C'est très bien. C'est vraiment très, très chouette. Hein. Donc The Last Case of Benedict Fox, honnêtement. Donc PC, Xbox. Hein, et bah c'est cool. La vache. Afficher paramètres. Sauvegarder et quitter. Ben voilà, une belle découverte en tout cas. Très Lovecraftien, effectivement, ils ont réussi à faire un Metroidvania Lovecraftien. Ah ben joli. Avec une très belle ambiance et très beau graphisme. Une progression assez calibrée quand même. Hein. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas aller n'importe où. C'est très narratif, donc ça, ça me plaît bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt sur Pixel Barbecue TV. Salut!